Voilà, quelques commentaires concernant le chapitre 5, statistiques et moyennes. Alors, on s'intéresse en premier aux moyennes arithmétiques, ou on peut appeler ça aussi les moyennes simples. Alors, donc, c'est marqué que pour calculer la moyenne d'une série statistique, on additionne toutes les valeurs du caractère de la série, puis on divise la somme obtenue par le nombre de valeurs de la série. Alors, c'est pas quelque chose de très très clair, entre guillemets, dit comme ça, on va voir sur des exemples. Alors, ici, c'est quelqu'un qui a compté le temps passé devant la télévision pendant une semaine. Alors, le lundi, eh bien, elle a passé 62 minutes, le mardi, 57 minutes, le mercredi, 110, etc. Et donc, du coup, en fait, pour calculer, alors c'est ce qu'on demande, hein, le temps moyen passé par Sophie devant la télévision, eh bien, il suffira d'ajouter toutes les valeurs que je suis en train de mettre en jaune. Et donc, du coup, ça correspond à cette ligne qui est par là. Donc, on ajoute toutes les valeurs du tableau et on va diviser par le nombre de valeurs qu'on a. Alors, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. On va donc diviser tout ça par 7. Ce qui fait que pour avoir la moyenne de 588 divisé par 7, et ça tombe juste, pour ce calcul-là, on est sur 84. Ce qui fait que Sophie passait en moyenne 84 minutes par jour devant la télévision cette semaine-là. Très bien. Ensuite, si on regarde le deuxième exemple, ça c'est un exemple où on a des données qui sont proposées, ces données sous forme de tableau. Alors du coup ici on est sur 50, ici on est sur 30, ici on est sur 50, on est sur 40, etc. Et donc du coup en fait les informations, on peut les lire sur le graphique. Alors à partir de là, toutes ces données, toutes ces informations, je vais toutes les ajouter pour avoir la moyenne. Alors c'est le nombre de prospectus qui ont atterri dans la comment on appelle ça en fait, dans la boîte aux lettres de quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul. Alors du coup, voilà, au mois de janvier, il en a récupéré 50, et puis au mois de février, il en a récupéré 30, et puis 50, et puis 40, etc. Et donc du coup, on ajoute toutes ces valeurs qui sont en jaune, qui correspond à toutes ces données en fait enfin de nombre de prospectus publicitaires. On va ensuite cette valeur-là donc calculer toute cette somme et diviser par le nombre de valeurs qu'on a. Alors on a ben une valeur, deux valeurs, trois valeurs, quatre valeurs, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 valeurs, donc il suffit de diviser par 12 pour avoir la moyenne. C'est 540 divisé par 12. C'est une valeur exacte, là, j'ai envie de dire par chance. Et donc, du coup, le nombre moyen de publicités reçues, c'est 45 par mois. Ok. On continue avec cette fois-ci les moyennes pondérées. Alors, les moyennes pondérées, c'est des moyennes, on l'a déjà souvent vu, en fait, avec des coefficients. Alors, les moyennes avec des coefficients, donc la phrase en rouge, c'est pour calculer la moyenne pondérée d'une série statistique, on additionne, alors, les produits, c'est-à-dire qu'il va y avoir des multiplications à faire, et puis ces multiplications, on va les additionner. Donc, on additionne les produits des effectifs par, alors, les valeurs du caractère, puis on divise la somme obtenue par l'effectif total de la série. Alors, l'effectif total, eh bien, c'est pas compliqué. On va donc, sur un exemple, regarder. Alors, le nombre de livres lus, on a posé la question à des élèves, et donc 12 élèves ont répondu en fait au questionnaire disant voilà moi j'ai lu aucun livre. Ensuite, il y a 4 élèves qui ont répondu moi j'ai lu en fait ce mois-ci au mois de septembre j'ai lu un livre. Puis ensuite, 3 élèves ont répondu tiens moi j'ai lu 2 livres. Et donc du coup, c'est comme si nous mettions bout à bout. Alors évidemment, on va pas le faire, mais c'est comme s'il y avait il y avait 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valeurs qui sont à 0 livre. Puis ensuite, un livre, un livre, un livre, un livre. Voici en fait les 4 réponses d'élèves qui sont de 1 livre. Puis ensuite, voici 3 réponses d'élèves qui disent bah tiens moi j'ai lu 2 livres, puis ensuite 3 réponses d'élèves qui disent moi j'ai lu 3 livres, ensuite il y a une réponse j'ai lu 7 livres, il y a une réponse j'ai lu 8 livres, et puis il y a une réponse j'ai lu 15 livres. Si on devait faire la moyenne de cette série qui est par ici, eh bien du coup on ferait 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, en fait bon bah ce qui fait 0 hein, c'est facile, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 7 plus 8 plus 15,
et on diviserait par le nombre de valeurs. Et bien du coup, sous une forme un peu plus élégante, j'ai envie de dire, nous allons faire tout ça avec le tableau d'une manière un peu plus efficace. Donc ici, bien je vais faire 0 fois 12 plus eh bien, des valeurs 1, j'en ai 4, donc 1 fois 4, plus 2 fois 3, plus 3 fois 3, plus 1 fois 7, plus 1 fois 8, plus 15 fois 1. Ça va me faire tout le total en fait des valeurs. Et donc je vais diviser par le nombre de valeurs. Et tout à l'heure, ce que j'ai effacé, on voit bien que c'est j'ai un 0, j'ai un 0, j'ai un 0, j'ai un 0. Et donc pour avoir le total des valeurs, il suffira sur cette ligne-là, eh bien, d'ajouter le 12. Plus le 4, plus le 3, plus le 3, plus le 1, plus le 1 et plus le 1. Et donc ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec un calcul. On va faire 0 fois 12, plus 1 fois 4, plus 2 fois 3, etc. Et on va diviser par les 25 valeurs que nous avions. De toute façon, on comprend bien, il y avait 25 élèves. Donc du coup, ce qui fait qu'on obtient 49 divisé par 25 et on est sur du 1,96. Donc dans cette quatrième, en moyenne, 1,96 livres ont été lus donc au mois de septembre. C'est comme si chaque élève avait lu 1,96 livres au mois de septembre. On va regarder maintenant l'autre exemple. L'autre exemple, c'est j'ai un club de jeux d'échecs à 9 maisons. Et donc du coup ici j'ai 5 membres du club qui ont 13 ans. J'ai ici 6 membres du club qui ont 14 ans, j'ai 7 membres du club, ils ont 15 ans, j'ai ici 5 membres qui ont 16 ans, j'ai 6 membres du club qui ont 17 ans, et puis j'ai 3 membres du club qui ont 18 ans. Je place tout ça dans le tableau, c'est ici. Et on me demande de calculer l'âge moyen. Comme tout à l'heure, évidemment ce serait trop long, mais c'est comme si on mettait les âges les uns à côté des autres. J'ai 13 ans, puis 13 ans, puis 13 ans, puis 13 ans, et puis 13 ans, en fait, comme réponse. Donc j'ai 13 valeurs, enfin j'ai 5 valeurs, pardon, qui sont à 13 ans. Puis ensuite, j'ai du 14 ans, si je les mets, les élèves, en tout cas les membres du club, alors 1, 2, 3, 4, 5, et il m'en manque encore un sixième, j'ai 14 ans. Puis ensuite, j'en ai 7 qui ont 15 ans, donc 15 ans, 15 ans, etc. Puis je vais continuer. Et ce qui fait que pour faire le total de toutes ces valeurs, eh bien, je vais faire 13 fois 5, plus 14 fois 6, plus 15 fois 7, plus 16 fois 5, plus 17 fois 6, plus 18 fois 3. Et donc, du coup, je vais ajouter tout ça. Ça va me donner un total. Et je vais ensuite diviser par le nombre de valeurs que j'ai pris en compte, et donc le nombre de valeurs que j'ai pu prendre en compte, eh bien, combien y a-t-il de valeurs en tout? Il y en a 5, plus 6, plus 7, plus 5, plus 6, plus 3. Alors tout ça, en fait, est indiqué dans le calcul qui est en dessous. On est bien sûr, au total, il y a en fait 32 membres dans le club. Voilà, ça c'est le calcul en fait que j'ai entouré. Ce qui est là, ici, on est bien sûr 32 membres. Voilà. À partir de là, on va pouvoir observer pour avoir la moyenne. On fait donc, comme on l'a vu tout à l'heure, 13 fois 5, plus 14 fois 6, plus 15 fois 7, plus 16 fois 5, plus 17 fois 6, plus 18 fois 3, et on divise par 32. Là, le calcul, bien, ne tombe pas juste parce qu'on obtient, en respectant bien les parenthèses, 15,3. Et donc, on est bien sûr à peu près égal. C'est l'âge moyen des membres de ce club, c'est environ. C'est important de bien mettre ceci, 15,3 ans. Voilà en gros l'âge moyen des membres du club.